Je m'appelle Shankaran, j'ai 24 ans et je suis l'auteur de Bessoir Brothers, le premier comic book slash manga mauricien. Et j'habite à Trobisch. Quand était un premier comic book À Maurice, enfin si vous êtes bien, Ena Online, surtout moi, c'est une série. Mais moi, pas jamais me trouvé comme si un comic book qui en PSN, comme si une physical copy, comme ça. Et je pensais, il me paraît le premier à Maurice. Si vous trouvez bien, il y a deux personnages ici. Donc, un s'appelle Endo, il a 15 ans. Et le deuxième, c'est son petit frère, il s'appelle Tego, il a 12 ans. Le grand frère, lui, il peut faire un cauchemar. Et chaque soir, il peut faire un cauchemar. Et ce cauchemar-là, il a un meanings. Et ce meanings-là, il peut commencer à percuter doucement dans la vraie vie. Et il a envie de comprendre pourquoi il peut faire ce cauchemar-là. Donc, il a envie d'investiguer et ça amène loin l'aventure. Quand il comprend le monde autour de lui et aussi sur l'histoire, sur le background. Et son petit frère, il a envie de venir plus fort que son grand frère. Il entraîne lui tout le temps, mais jamais il a venir plus fort, comme si en termes de strength. Et c'est ça comme si qui fait sa rivalité entre les deux, une sibling rivalry. Donc l'histoire, c'est à propos de ça, en fait, de rivalry. Et la aussi, compétition, ouais, la compétition tous les deux. Et quoi d'ailleurs les deux faire? Ben, c'est plutôt comme si une inspiration de beaucoup de choses. Par exemple, mon daily life, comment tu parles à l'école, aussi comment tu peux être animé, c'est-à-dire Dragon Ball, Naruto, et aussi comment tu peux être dans les cartoons aussi, comme si via Avengers. Et ce qui m'inspire moi plus, c'est le fait qu'il y a un petit frère qui est aussi. Et moi, j'ai envie d'écrire une histoire avec plus qu'un protagoniste. Donc, je me pensais qu'il ne fallait pas faire deux protagonistes. Et c'est pour ça que l'idée est venue de créer une histoire à propos de deux frères et qui explore un thème qui est sibling rivalry. Pour l'instant, il y a en anglais, mais bien sûr, dans le futur, nous pourrions lister en créole et en français. En termes de vérification, avant mon print, je vais faire plusieurs de mes amis et aussi collègues lire Fruit pour regarder si l'anglais est bon. Et aussi, je me servis beaucoup de bonnes applications online, par exemple ChatGPT, Google Translate, beaucoup de choses. Ouais. Donc, il est bien OK. Et au niveau illustration, tu sais déjà tout? Donc, au niveau illustration, comment retrouver ici mon iPad, je fais mon drafts. Je fais les en bref, aussi avec mon dialogues. Et moi, j'ai un collègue qui trouve en Indonésie, un ami à moi, et c'est lui qui fait finishing là, c'est lui qui fait mon dessin, coloring, lining. Et il y a avec moi, il est là pour mettre son speech bubbles, mon type en speech bubbles. Pour ce livre-là, je travaille là pendant un an, et il y a beaucoup de va-et-vient qui n'ont rien in-between, mais il prend. En fait, tu connais, ça c'est un premier projet, un premier livre, donc on va se connaître au début comment faire lire. Ça me prend autant les temps, mais un an comme si, c'est ça qui me prend moi pour développer ça, ce livre-là. Le premier difficulté, c'était de trouver une personne pour dessiner. Et ce qui me fait, moi, c'est mon un website qui s'appelle Fiverr. Donc, c'est un website pour trouver une personne qui a fait un dessin, qui a fait un vidéo editing, marketing, tout ça. Et je change à peu près un 3, 4, 5 artistes, comme si pour voir un peu un dessin. Et aussi pour moi, une raison comme si je n'ai pas envie de continuer. Mais finalement, je tombe un artiste qui est un bon ami à moi maintenant. C'est lui qui fait la plupart de dessins dedans. Et ça, c'est une des choses. Et le deuxième, c'était printing. En termes de printing aussi, comment faire les. Est-ce qu'il faut faire à Maurice? Est-ce qu'il faut faire en dehors? Et pour moi, c'est aussi un autre issue qui me tackle. Mais je réussis à trouver une solution. Et la solution, c'était. J'ai un collègue, un ami qui trouve en Inde aussi, et il a une manufacturing plant, pour ça, comme c'est pour mon livre, pour paper, tout ça. Mon travail, mon ramasse, mon save un peu, et là, mon envie de développer ce projet-là. Donc, dans un volume, on a 5 chapitres, donc l'histoire est cassée comme ça, et dans le futur, mon envie de faire volume 2, 3, 4, y aller comme ça. Moi, déjà, j'ai une histoire comme si j'ai fini de planifier, parce que voyez, depuis 10 ans, je retire. Donc, une de moi, c'est le temps pour écrire une longue histoire, peut-être une longue histoire mariée intéressante, avec beaucoup de éléments mauriciens aussi dedans. Donc, c'est ça un des projets, un des buts, et aussi de retirer le livre en anglais et en français aussi.
Ça, c'est une abbreviation de mon nom. Donc, à l'école, mon inspecteur appelle moi Shank. Donc, je me décidais, ben, laisse-moi God Shank MC, comme un offer name, un pen name. Et quelle est votre réponse publique? Oui, ben, réponse est positive, très positive en ce moment. Je fais beaucoup la vente, je vends une cinquantaine pour là. Et beaucoup de gens disent, félicitations, c'est une grande première, Maurice, continuez. Et beaucoup de gens aussi me demandent, que de volume 2, que de l'été. Donc ça c'est en production toujours. Beaucoup de gens commencent à s'intéresser, follow nos pages Instagram. Et ouais, vous pensez, c'est successful en ce moment, c'est positif, très positif. Ce qui m'a envie de chercher avec mon jeune, c'est quand on a une idée, never give up on it. Peu importe combien de temps il prend, toujours foncer. Et où peut arriver. Si vous mettez tous les efforts, if you put the effort, if you put everything, il peut vous achever. Et aussi, l'advice qui vous donne mon jeune aussi, c'est si vous ne connaissez pas comment achever cette idée-là, always network. Always demande autour, demande dans les alentours, parents, amis, connaissances. Vous vous trouvez une solution, comment achever cette dream-là. Et justement, pour mon jeune, ben, je mets une quote dans mon livre qui m'a changé pour partager, qui pour answer aussi aux réponses. Donc, le quote c'est Imagination is humanity's greatest superpower. It is what formed the world we live in and what will shape tomorrow's. Turn that imagination into reality. C'est ça qui m'inspire, toi? Oui, c'est ça aussi qui m'inspire, moi. Ouais, never giving up. Mes parents ils jouent un grand rôle. Depuis petit, en tout cas, je te dis à moi, ben, si on veut écrire un livre, go for it. Vous pouvez toi trouver un artiste, trouver une personne, vous pouvez check la langue, tout ça là. Mais mon grand-père parent, c'est une personne clé qui aide moi pour réaliser ce rêve. Donc, mon vieux, je vous souhaite un grand merci. Shankaran, pour lui, c'était un dream, comme on dit, depuis l'âge de 13 ans à l'école, au secondaire, au Fils. Et il était toujours inspiré avec tout ça, mon comic book, là, mon dessin animé. Ben, pendant le Covid, quand il s'est étudié en Angleterre, et voilà que ça a commencé, il était envie de faire ce dream come true. Ben, aujourd'hui, c'est une réussite et pour nous, c'est une fierté d'avoir un auteur dans la famille. Moi, je suis très fier de mon fils. Il a achevé depuis là, 10 ans, 12 ans. Il a griffonné, il a fait un petit dessin, mais il n'a pas de connaître aujourd'hui s'il est capable de tenir. Il tient le livre, alors nous sommes très fiers de lui et tout en lui donnant le support et ça l'esprit d'entrepreneur, d'entreprendre qui l'amène là. Je pense qu'il y a un long challenge, un grand challenge devant et le futur paraît très brillant. Je pense, go for it, never give up on yourself. Avec social media, bien sûr, vous pouvez lire le livre facilement et pour moi comme si avec social media, c'est pas social media avec internet aussi. Il est plus facile pour l'histoire propagate et pour share avec tout le monde. Mais aussi, quand on a un produit tangible comme ça, c'est un autre feeling. C'est comme si the story is there, the real manuscript, comme si. Enfin, c'est il est bien online aussi, mais quand on a le vrai produit, c'est comme si un autre feeling. Et comme si, vous connaissez mon manga avec comic books, il commence comme ça à l'époque quand on passait à Internet. Comme si, dis-moi, tu peux acheter un journal, tu peux lire. La copie physique. Donc, vous pensez tous les deux, ils vous marchent bien, physique avec online. Ok, vous pensez plutôt que ça va faire une animée comme vidéo? Oui, bien sûr. En fait, c'est ça un de mes targets, c'est un jour faire The Sora Brothers, un TV show, une série, et aussi faire Man Movies. Comme ça, à Maurice, nous pouvons avoir Man Movies qui nous cache cher aussi avec Abroad, comme si. En dehors, ça peut trouver Sora Brothers, il peut représenter Maurice, il peut mettre le pays on the map. Il peut aussi créer une hype, une fanbase, happiness. Moi aussi, je vends un peu de livres à l'étranger aussi, 2-3 en ce moment. Et même à l'étranger, beaucoup de gens contactent moi depuis Kenya, depuis l'Inde, depuis en Europe, en France, en Angleterre. Ben, je vais follow et je vais être eager to know la suite de l'histoire. Pour le moment, on a 350 followers sur la page Instagram et on peut faire une page TikTok. On a toujours, mais on peut shuffle a few things around et on a une page Facebook. C'est 10 ans comme si que j'ai envie de réaliser ce rêve-là et aujourd'hui, je suis extra content que ce soit finalement là. Je suis allé avec tout le monde à Maurice
et c'est un grand achievement. Vous pensez que c'est une histoire qui est unique, qui a beaucoup d'éléments mauriciens aussi dedans, et qui jamais vous forget aussi. C'est une histoire émouvante, histoire passionnante et aussi inspirationnelle.